Ça qu'a fait, comment vous êtes? Bienvenue sur la plateforme Leona Show. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais visiter un édifice qui est piwo dans la capitale du pays Mexique, qui est Mexico City. Côté moi accompagné avec cousine moi et puis un bel ami. Quittez un commentaire, dites-moi dans quel pays ou bien ville que vous regardez vidéo ça et puis tout dim depuis qu'il est ou commencé suivre Leona Show qu'il est dans qui vidéo ou t'es arrivé découvrir plateforme ça pour nous t'es capable d'entrer dans centre ville là parce que nous pas et dans centre ville là nous t'es prend métro système métro a il est très cool il est très propre bien que et ça fait deux fois qu'il me fait expérience dans métro c'est en République dominicaine et puis tout dans pays Mexique les moi venir dans l'autre pays yo moi va aller pour me faire vidéo pour me comparer système métro dans différents pays qui m'a gain pour me visiter puis devant en aller après un paquet marché, un paquet visite, un paquet foulay, mesdames, vous allez prendre un bain spirituel dans la ria avec coup de corne, la fumée, basilic, etc. Nous arrivons dans l'édifice là. L'irélé Torre Latino ou bien Torre Latino Americana. Là, nous arrivons à la pluie de vina tombe. Il fait environ 10 heures. C'est à 10 heures nous te pour nous rentrer. Il y a un bagage qu'on doit connaître, c'est que tout ça lui-même, l'écoute nous environ 200, moins que 220 pesos parce que c'était $12 américains. Yon bracelet ou mette nan men ou et ou capable faire journée à faire monter descendre nan gratte-ciel là
parce que bracelet ça valable pour yon journée complet tout autant ou pas retirer le nan men. Là nous t'est arrivé à la pli tap tombé, nous t'est arrivé jusqu'à étage numéro 37 là. Mais nous t'est gè pour nous te prendre ascenseur pour nous t'est arrivé m'quoi nan étage 41. De 41 nous t'est gè pour nous te monter environ 3 encore pour nous t'est arrivé jusqu'à dernier point là côté qui gagne une antenne avec un système alarme pour les gagne tremblement de terre dans ville là, li sonné. Alors, m'a quitté nous enjoy comment expérience là t'est belle. Là nous t'est arrivé malgré t'est gagne l'appli, nous t'est capable voir ville là. Mais rete jusqu'à la fin parce que bagay la te vin pi belle pi devant toujours. Torre Latinoamericana, c'est un gratte-ciel qui trouve dans l'esquina Calle Madero et l'eje central Lázaro Cárdenas. Il trouve exactement dans le centre historique Mexico City. Il a un hôtel de 182 mètres avec 44 étages. Dans le moment où il a construit Torre Latinoamericana, c'était en 1848 qu'il a commencé, il a fini jusqu'à 1956. Exactement, il a été inauguré le 30 avril 1956. Actuellement là, il a gagné 68 l'année depuis qu'il existait. Gros projet ça a coûté 64 millions de pesos mexicains. Architecte qui a fait design édifice là, il relé Augusto H. Alvarez. Dans le moment qu'il a été inauguré Torre Latinoamericana, il a fait partie d'un gratte-ciel qui est pire dans le monde là. Dans l'Amérique latine là, c'est seulement Brésil qui te gagne un gratte-ciel qui pire au passé. Mais c'est premier gratte-ciel qui est arrivé construit avec un système technologie parasismique parce qu'il est dans une zone qui vraiment risqué de tremblement de terre. Il pas un secret peut-être qu'on pas connait que Mexico City c'est une ville qui pratiquement bâtie sur un lac. Ça veut dire il risqué en pile et presque chaque année il toujours à trembler. Mais malgré où est ville là plein gratte-ciel, plein gros édifice avec un paquet étage qui actuellement là gagne là-dedans qui pire au passé Torre Latinoamericana, yo pas risqué parce qu'il gagne un système technologie même si tremblement de terre a ravagé ville là, yo même y a prêté intact. Dans édifice ça, ou joine bureau, musée avec un pilote espace touristique. C'était gratte-ciel qui était pire de 1956 jusqu'à 1972, le hôtel vin arrivé complété Hôtel de México. Depuis le fin fait Hôtel de México, li prend des vents. Ça veut dire pour un paquet l'année, Torre Latinoamericana c'était gratte-ciel qui était pire dans ville capitale mexicain qui c'est Mexico City. Si vous aimez vidéo et vous aimez information ça yo, pas oublier suivre Léona Show tout côté. Abonnez-moi sur YouTube, suivez-moi sur Facebook, moi sur Instagram et TikTok. Et puis quittez un commentaire, est-ce que vous connaissez information ça yo
est-ce que remet genre des vidéos ça yo pour me connaître est-ce que me mettre continuer produire. Ça c'est Leonard Show et moun k'ap pale a c'est Alcinor Leonard. Là nous t'est arrivé à te gain en pile l'appli. Yo te permettre nous arriver jusqu'à étage numéro 37 là. Mais là l'appli a vinn passer, nous monter juste en l'air et au gain temps avec quelques images côté nous t'est filmé en l'air net. Bagay yo te vinn pi clair, m'kwè l'appli a te passé environ 4h pour 5h, l'appli a te vinn passé. Mais dès que bracelet a valable pour toute journée, nous te descend aller dans restaurant, al fait ti manger, mais moi pas te filmer. Pour jusqu'à ce que nous tourner monter encore pour nous être capable d'attendre jusqu'à dans soirée pour nous faire différence de comment viewer dans la journée avec dans soirée. Restez jusqu'à la fin parce que vous pourrez voir une vue spectaculaire dans fin vidéo de comment ça y est les que vous limez toute lumière dans ville là pendant soirée. Dans image ça, c'est les nous te descend, nous t'al distrait, nous t'al enjoy, les ça soleil la gen temps à bail villa et puis tout image te vin un petit gens pi belle tout. Après nous te fin distrait nous dans un restaurant qui était tout prêt qui pas trop cher tout, nous te tourner monter dans édifice là pour nous te capable continuer enjoy view. Pas oublier nous rester jusqu'à la fin parce que les ouais image comment villa et les soir ou pral étonné. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin vidéo. M'a invité pour capable abonner. Si vous pouvez vous abonner, quittez un commentaire et puis tout n'apprenez dans une autre vidéo bientôt. Est-ce qu'on remet avant que Leonard Show à vivre dans Mexique là? Pas oublier abonner, suivre moi. Une façon pour pas perdre une vidéo qui m'a plagé parce que pour mettre nous dans toute intégralité, il m'a montré nous comment ça est dans Mexico City. Pour moun kap mande m'information de comment ka réside dans pays Mexique, mwen publie un vidéo ni sur Facebook ni sur YouTube. Al gadil. Ou ka konnen ki moyen ki pi facile pou kapab résider et puis tout intégrer ou dans pays Mexique pou kapab vivre là-dedans.